Cette côte n'a rien pour elle. J'ai reçu ton hibou. Merci. Je suis content de te voir. Des fidèles de Ranrok qui arrivaient de la côte. J'ai entendu l'un d'entre eux dire qu'ils se dirigeaient vers une autre grotte, semblable à celle qu'on a trouvée. Comment se fait-il qu'ils aient une longueur d'avance sur nous? Ils ne peuvent pas connaître l'existence du triptyque. Je ne sais pas. J'ai vu un autre souvenir. Cette fois, il s'agissait d'une gardienne nommée Niamh Fitzgerald. Elle semblait contrariée par la façon dont Isidora utilisait la magie ancienne. Mais je ne sais pas encore si tout cela a un rapport avec Ranrok. Ces gardiens se moquent tout bonnement de toi. Tu dois leur tirer les vers du nez. Ça ne marche pas comme ça. Pour accéder à ces souvenirs, je dois réussir une épreuve. C'est pas aussi facile que tu le penses. Ils me montrent les souvenirs dans un ordre particulier. Soit ils ne te font pas confiance, soit tu ne te soucies pas assez d'Anne pour poser les bonnes questions. Bien sûr que je me soucie d'Anne, Sébastien. Ne laisse pas ta frustration prendre le dessus. On y est presque. Bon, pour l'instant, je vais m'en remettre à tes amis les gardiens. Mais ça ne me plaît pas du tout. On n'a pas le choix. Bon, essayons de comprendre pourquoi le triptyque nous a menés ici. Allons-y vite, avant de nous faire repérer. Fais attention. J'ai vu des larbins de Ranrok s'éloigner du chemin, juste devant nous. Je me demande pourquoi. Pour piller, j'imagine. Cette montagne abritait les objets de valeur des hameaux du coin. Mais elle a été abandonnée quand Ranrok s'est emparé de la côte. Bombarda. Confringo. Pas malin de reculer. Tous les fidèles de Ranrok méritent le même sort. Bon travail. Des sombrales devant. On dit que c'est un mauvais présage. Tout le monde ne le pense pas. Je le sais bien. D'accord. Je préfère faire la conversation. Je ne veux pas gravir cette montagne en silence. Rebellion. Confringo. Tuez tous les intrus. Les voilà. Allons-y. Attends. Nous devons d'abord trouver un plan. J'en ai assez des plans. Vous ne m'aimez pas vraiment les combats. Confringo. Pitoyable. Action. Confringo. Bombardage. Action.
Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Qu'est-ce qui t'a pris ? J'imaginais des gobelins morts. Ça aurait pu nous coûter la vie. Mais on a survécu. On dirait que les fidèles de Ranrok ont suivi ce chemin. Continuons d'avancer. La vengeance de Ranrok sera terrible. Tout ce qui est fait d'argent gobelin nous appartient. Qu'il s'agisse d'une épée ou d'un dépôt, ça nous revient. Tu as entendu ce gobelin ? Ces notions de propriété sont ridicules. Revelio ! Tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. Bombarda ! Action ! Tous les fidèles de Ranrok méritent le même sort. Je suis d'accord. Un bon sorcier, c'est un sorcier mort. Ranrok a raison. La vie tient les pieds à un action. Je n'aurais jamais dit. La vie est sortie. Avec les deux jours. Confringo. Confringo. Je me depuis bien avant. La vie est Confringo. Ici. Sébastien, attends. Attendre ? Pourquoi ? Oh, pourquoi tant de prudence tout à coup ? Écoute-moi, je sais que t'es en colère et que t'es contrarié. Mais en fonçant tête baissée, tu pourrais réduire à néant tous nos efforts. Lodgok a dit. Hein ? Ton ami, le gobelin. Arrête, ça suffit. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrok. Je suis dans ton camp. Nous voulons la même chose. Trouver des réponses. Je pensais qu'on voulait la même chose. Et c'est le cas. Écoute-moi. Lodgok a des informations sur Ranrok que nous n'avons pas. Il m'a dit que Ranrok était au courant de l'existence des gardiens et fouillait tous les endroits en lien avec eux. C'est pour ça qu'il semble toujours avoir une longueur d'avance. Je sais ce que je fais. Tu dois me faire confiance. Sans quoi, nous ne pourrons pas continuer ensemble. Bon, bon. Je suis désolé.
J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Et ce n'est pas la première fois. Je te fais confiance. Et je ne pense pas pouvoir aider Anne sans toi. Bien. Ranrok en sait plus que nous le soupçonnions. Il faut faire attention. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et certainement pas foncer tête baissée. Nous avons beaucoup à faire. Nous devons travailler ensemble si nous voulons avoir une chance de trouver la dernière pièce du triptyque. Je suis d'accord. Jusqu'ici, tout va bien. Charmant. Des araignées. Tout est normal. Confringo ! Bombarda. Ces araignées ont l'air bien décidées à nous dévorer. On doit être plus ragoûtant qu'une paire de gobelins. Confringo ! Action ! Bombarda ! Action ! Il y a une araignée de moins. Confringo ! Confringo ! Lâche ! Elles sont pénibles, ces petites bêtes, non ? Pourquoi un escalier mènerait-il ici ? Quel intérêt ? À mon avis... Confringo ! Bombarda ! Confringo ! Regarde un peu cet endroit. Ce n'est pas mon style. Un peu chargé, si tu veux mon avis. Bombarda. Action. Let's go.
bombardard. Confringo. Seule épreuve. Nous devrions peut-être chercher d'autres runes. Bombarda. Confringo.
Rebellio. Réparons. Ce n'était pas ça. Je te le fais pas dire. Atteindre ce rebord, même en sautant très haut. Je suis à bout de souffle après toutes ces marches. Mais la vue, elle vaut vraiment le coup. Encore une barrière. Je suis certain qu'on peut la faire sauter. Cet extrait de journal est assez inquiétant. Ça ne peut pas être. Conflicto ! C'est presque aussi bien que si je l'avais fait moi-même. Rebellio. Je ne peux pas croire que cet endroit n'ait appartenu qu'à Isidora. Mais le triptyque nous a menés jusqu'ici. Un autre symbole runique. Rebellio. Vous parlez couramment la langue runique maintenant. Confringo. C'est peut-être une autre zone créée par Isidora. Rebellio. Isidora a dû affûter son talent pour la magie ancienne ici. Je sais, grâce aux souvenirs que j'ai vus, que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Si seulement tu pouvais voir l'un de ces souvenirs. Les dernières toiles du triptyque. On a réussi. Isidora n'aurait pas dû avoir à garder tout ça secret. Je sais, grâce aux souvenirs que j'ai vus, que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Mais je ne comprends pas pourquoi elle semble s'être donné tant de mal pour raconter son histoire sans qu'il le sache. Si seulement tu pouvais voir l'un de ses souvenirs. Oui, c'est sûr. Si on complète le triptyque, on y verra peut-être plus clair. Rebellio. Aux aventures que ce triptyque nous aura fait vivre. Nous y voilà. Ce suspense est insoutenable. Vas-y, place-la. Ah. Une autre pancine. C'est ça qu'on cherche depuis le début. Je me demande... Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va voir. Père, je ne pourrais pas ramener mon frère. Mais je peux vous offrir la paix.
Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir... Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora. Qu'avez-vous fait ? Il ne souffre plus. Merci. Ça a marché ? Oui, ça a marché. Évidemment, c'est de l'argent gobelin. Il me faut quelque chose de beaucoup plus grand. Très bien. Ça m'aiderait si vous pouviez m'expliquer ce que vous voulez y mettre. De la magie. Des restes d'un sort que j'ai conçu contre la douleur. Mais, utilisé correctement, ce pouvoir pourrait aider encore davantage de gens. Pourquoi voudriez-vous contenir une telle magie ? J'ai besoin de la garder en sécurité le temps de persuader mes collègues de sa valeur. Un tel pouvoir peut être effrayant. Tout le monde n'est pas prêt à manier un tel pouvoir. Peut-être pas. Mais ça viendra un jour. Elle a supprimé la douleur. Je le savais. Je savais qu'il y avait un moyen d'aider Anne. Quelque chose cloche, Sébastien. Pourquoi ça? Tu as bien vu ce qu'elle a fait? Non, pas les souvenirs, c'est le portrait. Je crois que si Isidora ne s'est pas montrée, c'est qu'elle ne le peut pas. Je ne comprends pas. Nous avons déjà vu ça avant. La maison en ruine de Feldcroft, la peinture détruite, c'était elle. Bon, quelqu'un a détruit un petit bout de toile enchantée. Mais on a trouvé le souvenir. Oui. Oui, c'est vrai. On a vu ce qu'elle voulait qu'on voie. On a vu ce qu'elle pouvait faire. Ce que nous, on peut faire. Mais je n'ai aucune idée de comment elle s'y est prise. Alors il faut que tu l'apprennes. Les gardiens te l'enseigneront. Je doute qu'ils soient d'accord. Les gardiens pensent que retirer la sensation de douleur, c'est... C'est une magie complexe qui peut vite devenir imprévisible. Elle doit être maniée très prudemment. Ou pas du tout. Pas du tout ? Tu as surmonté chacun de leurs défis. Tu as largement fait tes preuves. Tu peux le faire. Tu en as la capacité. S'il te plaît, il faut que tu parles au gardien. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour Anne. Pourquoi les gardiens voulaient-ils faire taire Isidora ? Pourquoi détruire son portrait ?